Je pense que je vais bien rebondir sur les propos de M. Meunier. Je pense que ça va être super intéressant. Donc, je vais m'intéresser à l'implication historienne en web sémantique autour du triptyque, évidemment, du web sémantique SIDOC-CRM, hein, qui est cette ontologie, qui est cette structure de données et les sciences historiques de manière large. Autour de l'événement comme concept interdisciplinaire. Donc, je m'appelle Philippe Michon, pour ceux qui voudraient poursuivre cette conversation via Twitter ou peu importe, mon identifiant est ici. Je vais avoir deux objectifs. Normalement, j'en ai trois, mais je remercie Michel et José de ce colloque-là qui me permet d'enlever celui d'expliquer le web sémantique et de me concentrer sur les deux autres, qui est en fait de démontrer le potentiel du web sémantique et de l'ontologie SIDOC-CRM comme outil de recherche et d'analyse en histoire. Et celui que je vais traiter un peu plus aujourd'hui, c'est d'identifier les obstacles qui empêchent la participation massive des professionnels en sciences historiques, notamment les historiens, dans la réflexion et la construction des données liées. Je commence avec une petite équation relativement simple hein, de dire que l'historien égale le web sémantique. Pourquoi je dis ça? Je pense que le travail que l'historien fait s'apparente grandement au fonctionnement du web sémantique lui-même. Ici, on voit qu'il replace tous les faits les uns par rapport aux autres en définissant leurs causes et leurs conséquences potentielles. Chaque nouvelle étude dresse ainsi le tableau d'un pan du passé qui s'imbrique dans le réseau de faits déjà connu et le précise. Donc, il y a déjà cette notion de réseau, de lien entre les faits, entre différents éléments du passé. Donc, je trouve que ce lien-là se fait, en théorie, théoriquement, de manière naturelle. Et la première question, c'est le pourquoi qu'on parlerait de web sémantique et histoire. Je le vois en deux points. Donc, le premier point, c'est d'augmenter le potentiel associatif du texte. Il faut comprendre que l'historien traite en grande partie avec le texte, l'écrit, c'est la narration qui a une certaine forme d'expressivité assez intéressante pour lui. Donc, ça permet de bien raconter. Mais là, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin hein, et de pouvoir traiter aussi de compilation collaborative et dynamique de la donnée. Hein, donc, de vraiment faire sortir cette donnée-là du texte pour être capable de la traiter et de pouvoir les lier ensemble et donc de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce type de lien-là qui se fait actuellement, hein, surtout par des notes de bas de page ou ce type de mécanismes-là qui sont très, très humains. Et donc, il faut aller voir un texte et l'autre. Donc, vraiment, de rentrer plus dans quelque chose de plus direct, de plus automatisé. Et l'autre point aussi, c'est la désambiguisation de l'information. Mot que je vais dire une seule fois aujourd'hui, je le déteste. Et donc, hein, je trouve qu'il est difficile à dire. Et donc, c'est ça. Et donc, enfin, de voir que autant le web sémantique que l'historien, c'est très important de savoir de quoi on parle. Hein, si on parle de Jacques Cartier, oui, il y a l'explorateur, mais il y a aussi le député de la circonscription de Surrey de 1804 à 1809. Donc, il ne faut pas mêler les deux, c'est grandement important. Donc, ce travail-là aussi, je pense qu'il y a vraiment un lien direct entre les deux. Et l'autre point, mais c'est la contextualisation modulée. C'est un terme que j'ai créé moi-même un peu pour parler, en fait, hein, que l'historien, dans les années 60-70, il y avait le concept de longue durée. Donc, l'historien se devait, selon Fernand Braudel, aller vers la longue durée, ce qui veut dire de traiter d'un concept sur 1000, 2000 ou 3000 ans. Et là, je vois des gens ici qui sont comme 3000 ans. Ça commence à être quelque chose de relativement complexe. Et j'en conviens et on se rend compte que c'est pas ça qu'on fait. On va souvent aller sur des plus courtes périodes, souvent parce que c'est une question qu'il faut avoir des livrables rapides. Faut produire un mémoire en 2 ans, une thèse en 3, 4 ou je ne sais trop. Et donc, il y a vraiment des délais qui sont relativement courts. Donc, on va avoir des périodes plus courtes. Mais là, si on est capable de moissonner ça ensemble, de pouvoir créer des liens directs, on pourrait peut-être aller vers une longue durée. Est-ce que le web sémantique pourrait répondre à cette longue durée via l'agrégation de contenus plus spécifiques? Et il y a aussi toute la définition de la donnée via différents regards disciplinaires. Hein, il faut comprendre que l'histoire, ce n'est pas la propriété de l'historien, mais tout le monde traite du passé. Donc, je pense que cette multiple vision-là peut se rapprocher de cette exactitude que souhaite l'historien. Donc, ça, c'est les raisons pourquoi je pense que le web sémantique est intéressant. Et là, je voulais vous emmener vers un cas pratique qui est John Henry Walker en triplet.
qui est un atelier qui s'est tenu le 11 avril dernier ici à l'UQAM, à 2-3 portes en fait d'ici, et donc qui découle d'un autre projet qui est sous le burin de John Henry Walker, qui est un projet du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal et du Musée McCord, que je remercie pour avoir prêté ces données-là pour pouvoir qu'on expérimente la forme triplet. Ça prenait une base pour arriver à faire ça, et donc c'était grandement apprécié. Et donc, le projet lui-même, il y avait une partie que c'était de déterminer la date qui est approximative, donc qui est un intervalle, de la captation visuelle du bâtiment. Ce qui veut dire que John Henry Walker, c'est un graveur. Il a œuvré à Montréal durant le 19e siècle. Il a gravé plusieurs bâtiments, et donc il y a eu un moment où il a vu ce bâtiment-là. Et donc, quel est ce moment-là que le bâtiment ressemblait à ça? Exemple, s'il y a une seule statue, mais que maintenant il y en a deux ou trois, ben ça peut aider à pouvoir cibler ce moment précis-là. Et donc, on part de ça pour l'atelier qui avait deux objectifs. Donc, pour ceux qui ont participé, étaient en fait d'apprendre qu'est-ce qu'était le web sémantique, comment réfléchir en triplet. Donc, on fallait trouver différents URI, créer différents URI qui étaient fictifs ici. On n'a pas été dans le côté technique. Ensuite, il y avait de passer de données qui étaient, disons, classiques vers des triplets avec CMAP, qui est un logiciel relativement simple qui fait des espèces de bulles et de liens, donc des schémas de représentation. Donc, encore une fois, ce n'était pas des vrais triplets au vrai sens du terme, mais c'est juste pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Ensuite, je les ai guidés vers SIDOC CRM, qu'on parlera plus tard pourquoi j'ai fait ce choix-là, mais c'était juste pour cibler, pour pas qu'on se perde dans cette mer de possibilités de modèles. Aussi, il y avait toute la modélisation du contenu et du contenant, donc pas simplement l'intervalle de captation, mais aussi comment on est arrivé à cette date-là précise, donc toute la méthodologie, tout le processus qui était derrière. Et ensuite, moi, j'avais comme de mon côté, j'avais le projet de pouvoir analyser ces différentes arborescences-là. Donc, de vraiment de vérifier le potentiel représentatif et associatif du modèle SIDOC-CRM, ce que je n'ai pas pu faire, vous allez comprendre pourquoi très prochainement, mais j'ai plutôt pu travailler sur la vérification des différentes appropriations du modèle, et je me donne comme éventuelle mission de travailler sur la création d'une méthodologie historienne axée sur les données liées. Et là, j'ai parlé de SIDOC CRM, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, c'est une ontologie qui est développée par l'ICOM, donc par l'International Council of Museums, qui souhaite en fait mettre en valeur les contenus des institutions patrimoniales au sens large, donc ça dépasse le musée. Et eux, se concentrent sur l'événement. Ils pensent que c'est l'événement qui va être cet élément clé-là, cette clé de voûte-là pour lier les contenus du patrimoine. Et j'arrive à la même conclusion qu'eux. Ici, je prends un exemple du RPCQ, qui est le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ici, avec la bataille des plaines d'Abraham. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenus qui sont associés à cette fiche-là. C'est rien de triplet, c'est des liens qui sont faits au bon vouloir des gens qui font ces fiches-là, mais on voit qu'il y a de l'immobilier, du mobilier, des plaques, des événements, il y a des personnes, donc il y a vraiment beaucoup de contenu. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des événements, il n'y en a pas beaucoup au RPCQ, il y en a 0,07%, donc c'est vraiment pas une masse. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'objets et d'autres éléments comme ça que l'événement lui-même. Et ça m'amène, je pense, à mon premier point. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'événement. Il faut qu'on revienne à qu'est-ce que l'historien pourrait mettre en ligne, qui serait du contenu, qui serait facilement interopérable. Et ça, je pense que ça passe par l'événement. Du moins, je prétends que. Parce que l'événement, comme on le voit ici, a tendance à pouvoir lier plusieurs éléments du patrimoine. Et donc, comment fonctionne SIDOC CRM? Je vais le faire rapidement. Donc, ça, c'est les classes principales de ce modèle-là. Donc, on a une entité qui est temporelle au centre, auquel va se greffer les autres composantes, soit les acteurs, donc les personnes qui participent à cet événement-là. Il y a des objets physiques et des objets conceptuels qui affectent ou qui font référence à ou vice-versa avec cet événement-là. Il y a des endroits, donc il y a des objets qui sont localisés à différents endroits, mais il y a aussi des événements qui se déroulent à différents endroits. Et il y a des durées, donc chaque événement a une durée qui est souvent très approximative, on ne peut pas le savoir à la seconde près. Donc on a des bornes externes et une borne interne qui permettent de pouvoir jouer sur cet intervalle de temps-là.
Et on a deux grands ensembles qui englobent tout ça. Donc, il y a les appellations. Hein, donc, il y a une distinction entre une entité, donc moi, exemple, et mon nom. Donc, ici, il y a vraiment une distinction entre ces volets-là, ce qui est, somme toute, quelque chose de classique en web sémantique. Et on a les types donc, de typer l'ensemble du modèle SIDOC pour pouvoir aller plus loin, pour éviter la perte de sens que peut amener un modèle qui est généraliste. Et là, ben, je présente un peu des données brutes. Donc, qu'est-ce qu'on a livré à ces participants-là? Donc, ici, ça a été fait par Marion Beaulieu, qui travaille justement sur le projet sous le burin de John Henry Walker. Donc, je vais juste montrer ça. Je ne veux pas qu'on lise vraiment l'information, mais c'est juste pour voir que le texte est omniprésent. L'historien a besoin d'écrire, même si des fois, ça pourrait être quelque chose qui pourrait avoir juste une seule donnée ou qu'on pourrait avoir plusieurs cellules pour le nombre d'informations. Donc, c'était d'apprendre ça et de traduire ça, de transformer ça, de découper ça en triplets. Et je voulais aussi montrer qu'il y avait un bilan 1, le bilan 2 et le bilan 3. Donc, on a déjà le processus qui est là, donc les différents intervalles qui ont été trouvés, et pour arriver au bilan 3, qui est le bilan le plus resserré pour le moment de captation visuelle du bâtiment. Et là, j'arrive dans mes schémas. Je vous en présentais trois. Faut comprendre que l'atelier durait 2 heures, 1 heure d'explication, 1 heure de « on fait quelques triplets ». Donc ça, c'est le premier modèle, hein, relativement petit, surtout sachant que c'est moi qui leur ai donné l'URI de John Henry Walker et celui de la création d'une gravure qui est un URI fictif, ainsi que de leur dire que Walker était une personne. Donc, qu'est-ce qui restait à faire ici? C'était de déterminer qu'est-ce qui était la création d'une gravure. Eux ont justement dit que c'était une création. Et ce qui est malheureusement pas la bonne réponse, parce qu'une création, c'est on va créer des concepts, mais on va produire une gravure, donc c'est le concept de production qu'il aurait fallu mettre ici, donc il y a eu un problème de lecture, de définition. Et ben ensuite, ben, il y avait un prédicat à trouver entre personne et l'événement, et il n'a jamais été trouvé. Donc, on voit qu'ici, il y a eu un problème de lecture de la documentation du modèle SIDOC-CRM, donc c'est pas quelque chose qui est naturel. Le deuxième modèle, je ne sais pas si on le voit bien, mais je voulais juste montrer ici que la personne a vraiment trouvé des URI de ULAN et en fait du AAT, donc le Union List of Artist Name et le AAT, qui est le Art and Architecture Thesaurus, qui sont des vocabulaires que j'ai proposés, qu'on se serve de ceux-là. Donc, ils sont vraiment allés là, puis ça, je trouve ça super bien. Ce sont des étapes, des fois, qu'on manque de faire. Mais eux sont vraiment allés là-dedans, et là, on a de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Hein? Donc, si on veut que l'humain puisse le lire aussi, mais il y a toute la notion de l'appellation qu'il faut entrer ici en ligne de compte. Donc, il y avait ce volet-là ici qui n'était pas super présent, mais on voit comment ça pourrait fonctionner à l'interne, si on veut. Donc, il y a quand même une compréhension assez intéressante. Ici, je présente, c'est le meilleur des schémas que j'ai eu. Que je trouve qu'il est quand même bien fait, il est clair. Il y a une erreur au niveau de l'image, mais ça, c'est pas grand-chose. Mais eux ont vraiment, dans le fond, ont créé différents concepts, ont fait les liens entre, et ça fonctionnait très bien. Je note ici aussi que ce n'était pas des historiens. J'avais un informaticien qui était sur cette équipe-là, avec une philosophe. Donc, l'ontologie était très bien comprise par ces deux personnes-là. Et donc, ont vraiment pu construire ça de manière assez rapide. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que moi, j'ai fait. Moi, je fais un modèle comme ça. Je veux pas qu'on puisse le lire, c'était pas ça l'idée, mais c'est de dire que moi, je pensais qu'on allait arriver à ça, loin de là, mais qu'on allait quand même en faire plus que peut-être une dizaine pour la meilleure équipe. C'est pour ça que j'ai pas pu aller voir le côté plus associatif du modèle SIDOC-CRM, mais j'ai pu voir qu'il y avait différentes lacunes au niveau de la compréhension. Mais on voit ici que j'ai des branches qui se croisent, donc j'ai plusieurs manières d'entrer dans ce modèle-là. Et donc ici c'est une gravure. J'ai 90 triplets pour la décrire. Je voulais juste montrer un peu qu'est-ce que je pensais que ça allait donner éventuellement comme travail. Et là, j'arrive à mes constats de cet atelier-là. Je pense que premièrement, il y a la difficulté de compréhension du fonctionnement du web sémantique lui-même. Peut-être que ça s'explique en 10 minutes, Michel. Moi, j'ai essayé en 1 heure, puis il y en a qui ont fait 3 triplets. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail là. Puis ça découle sur tout le reste, j'ai l'impression aussi. Si on ne comprend pas les principes de base, on dirait que c'est tout le temps un peu imbriqué dans le reste. Fait que si on ne comprend pas un élément de base, on est tout le temps en train de le traîner tout le long, et ça, c'est problématique, je pense. Donc, il y a vraiment une compréhension qu'il faut faire de ça. Ensuite, il y a la difficulté de compréhension du modèle SIDOC-CRM lui-même, toute la notion de l'héritage des
des propriétés des classes supérieures que j'explique pas ici, que vous devez connaître, mais c'est l'idée qu'une classe qui est inférieure hérite des propriétés de sa classe mère. Et ça, ben, c'est quelque chose qui n'était pas clair et c'est une façon de naviguer dans le document qui est volumineux. Donc, c'est assez important de faire ça. Il y a toute la question de la distinction des différentes définitions. Qu'est-ce qu'une création? Qu'est-ce qu'une production? C'est pas notre définition, mais bien celle qui nous est proposée, qu'il faut prendre ou du moins qu'il faut critiquer. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, j'ai tout le volet de l'URI. Moi, j'ai misé beaucoup sur « si l'URI existe, prenez-le ». Génial. Et j'ai peut-être été un peu fort là-dessus, parce qu'à un moment donné, il fallait en créer quand même, parce qu'il y avait des URI qui étaient inexistants. Puis je ne sais pas si c'est moi ou c'est aussi... l'historien n'a pas tendance à créer de la source ou créer une information. Il faut tant qu'il s'appuie sur quelque chose qui existe déjà. Hein? Et donc, là, il dit, ben, il n'existe pas, je ne peux juste pas le prendre, il faut que je fasse 100. J'ai pas non, tu as le droit de créer l'URI s'il n'est pas là et qu'il t'est utile. Donc, il y avait tout ce volet-là qui est assez important aussi. Ensuite, ben, il y a faire la différence entre une entité et une appellation. Donc, c'est qu'est-ce que j'appelle aussi le fonctionnement interne, le fonctionnement externe. Donc, toute l'interface, comment on peut lire ça, c'est vraiment important de mettre l'emphase sur ça. Et il y a toute la notion aussi du prolongement du modèle lui-même pour éviter la perte de sens. Ici, l'exemple que j'aime bien donner avec SIDOC, on va produire un bâtiment. Des gens aimeraient mieux dire qu'on pourrait le construire. Il y aura une distinction entre ces deux vocabulaires-là. Et donc, il faut penser à pouvoir aller plus loin. Il faut que l'historien réfléchisse à ça avec d'autres personnes aussi. Et ça, ben, ça remonte aussi, si on veut faire ça, ça remonte au premier point, hein, qu'il faut bien comprendre comment la structure se fait. Donc, tout ça est un peu lié. Et il y a beaucoup de travail encore à faire pour que l'historien soit pleinement présent. Et pour conclure, je voulais répondre à une autre question qui semble simple, c'est le quoi faire. Je pense qu'il faut qu'on commence par expliquer les raisons d'investir les données liées. Ça passe peut-être par des projets pilotes. Il y en existe des quand même intéressants. Je pense à au-delà des tranchées où je pense aussi à un nouveau projet sur l'art canadien, 150 ans d'art canadien fait par Artefact puis le RCIP qui collabore chez nous. Et voilà. Donc, c'est vraiment des très bons projets. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on travaille aussi pour ne pas avoir une interface qui va trop masquer le web sémantique. Au sens que si on fait une interface qui ressemble à ce qu'on a actuellement, l'historien ne va pas comprendre le potentiel de tout ça et le potentiel de cette information qui est décentralisée. Donc de voir les différentes interfaces de recherche et de visualisation qui seraient plus efficaces. Ensuite, bien, je pense que je vais m'attarder à une méthodologie qui parle un peu plus directement aux professionnels en sciences historiques. Aussi, toute la question de la formation. Je pense que c'est assez important. C'est un point qui revient souvent. L'historien n'a pas accès vraiment à une formation en données liées, à moins qu'il fasse le MOOC Web Sémantique. Mais je pense que ça prend ça. Je ne veux pas que l'historien puisse programmer ou puisse faire l'interface, mais qu'il soit capable d'entrer en dialogue avec les informaticiens, avec les programmeurs, parce qu'ils connaissent ils connaissent son propre contenu et connaissent surtout l'usage qu'ils souhaitent en faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment des liens ici. Il y a tout aussi la question de proposer différents URI. Je pense que les institutions ont un rôle majeur ici, donc de proposer différents URI pour que l'historien ensuite, lui, a juste à les reprendre et les lier ensemble. Il joue un peu le rôle de vecteur aussi là-dedans. Mais ça prend différents URI pour le faire. Donc, sinon, il se sent un peu perdu, j'ai l'impression, dans tout ça. Évidemment, il y a tout le côté de la technologie, donc avoir des triple stores, ça serait intéressant, qui seraient accessibles pour l'historien, donc de pas juste produire un fichier RDF et le mettre dans une application X. Des fois, c'est peu parlant, donc vraiment aller vraiment dans ce qu'on pourrait travailler au niveau de l'agrégation de l'information. Et finalement, je voulais revenir sur cette question-là de l'événement. Je pense qu'avant même d'entrer dans le web sémantique, encore une fois, il faut penser à l'événement. Quel type de données on peut lier? Quel est le point commun de notre méthodologie? Comment on peut lier tout ça? Et moi, je pense que ça passe vraiment par ce vecteur-là, par le vecteur de l'événement, qui permettrait de vraiment lier ce triptyque-là que je parlais de web sémantique, SIDOC CRM et des sciences historiques au sens large. Merci beaucoup.